une à gauche, une à droite, voilà. Attends. C'est bon, il est plus. Ah si, il est encore. De quoi? Bah, c'est pas sur ta caméra. C'est parce que nous sommes des anges. Pas. Faudrait que ça fasse comme ça. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, grave. Les yeux verts. J'ai pris un maillot de bain de comme ça, de cette matière et de cette couleur. Ah ouais? Ouais. Okay. Bon, désolée pour ma coiffure, elle va tu veux pas rapprocher un peu le truc? Non, c'est bien comme ça. Bah, si elle me se rapproche, ma tête elle est coupée. Hein. Ah oui, non, mais là on est grave en. Attends, je me recule moi. Quinconce. C'est quoi quinconce? Pas genre on est en biais quoi, on n'est pas. Mais si, on est quinconce. Pourquoi? Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes sœurs Noëtie et Amélie Cara01. Sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui de nous trois, donc je vous avais posé la question sur Instagram de nous donner des traits de caractère et vous nous avez répondu et vous avez eu grave des... Enfin j'ai regardé un petit peu et vous avez eu des regarde bonnes lumières. C'est pas bon hein. Non, je pense que c'est pas grave ça. Du coup voilà, avec Astrid la dernière fois on a fait des courses et on est allé acheter des ardoises dans des pochettes tamis. C'est back to school. Mais non mais c'était déjà dedans. Vidéo back to school. Donc en gros on va poser la question qui est le plus nanani. Et on va écrire du coup en gros Amélie, Astrid ou Amandine. Donc elle c'est Amélie, elle c'est Astrid, ouais. Et moi c'est Amandine. Non moi j'écris Noëtie. Moi j'écris Cara. Et moi j'écris Loana. Fait l'espace bien ou pas? Ah ouais. Donc désolée pour la luminosité si elle change un peu, c'est parce que on a pas de place là-bas pour filmer et puis voilà. Bref. Hi. J'ai un grand buste hein, je savais pas. T'as un grand buste? Bah ouais, regarde. Tu veux qu'on tourne un peu la caméra? Non, je m'en fous. Mais c'est parce que t'es plus près de la caméra. Non, regarde. Et moi je suis aussi loin là, parce que le truc c'est l'étroit, il est là. Alors. Pourquoi c'est en bruit? C'est économie de batterie. Alors. Ah merde, moi je suis déjà prête à écrire là. Moi aussi. Bah attendez. Je regarde juste les trucs que j'avais mis. Faut juste que j'aille dans mes archives. C'est parti. En fait, on avait fait un qui de nous trois. Je crois, moi j'ai jamais fait. Qui de nous deux. Ah. On n'a jamais fait toutes les trois en même temps, non, je crois. Non, moi j'avais quand même Camel. Sur ma chaîne et toi non? J'en avais fait sur ma chaîne aussi. On était dans la forêt même, à la pêche. Vas-y, moi je suis ready to go. Moi aussi je suis ready. On va essayer de répondre à des questions où on n'a pas déjà répondu en fait. Putain, il y en a plein des questions, je suis choquée. Attends, mais moi je suis gauchère du coup. Ah oui, la chance t'es gauchère. Bah non, mais je vais écrire de la main droite. Ah. Qui est la plus méchante? Mets ta réponse. De avant? Ah putain, il marche ou pas. Ou de maintenant? La plus méchante. Je crois que je sais tes conseils. La plus méchante. Ah. Et on peut voter blanc? Bah non, tu mets un prénom obligé. Je sais que tu fais attention. Je sais que tu sais ce que tu penses et t'oses pas l'écrire. Bah non, mais je sais. Non, mais si, je sais. Mais je savais avant, mais maintenant ça a changé. Oh. Oui, bah même, parce qu'on est toujours dans le sang, tu vois. Vas-y. Ah oh, merde, j'écris trop mal. 3, 2, 1. T'as vu quoi? Ouais, putain, mais je sais pas, j'ai mis Amélie. Bah, moi, c'est moi la plus méchante? Bah, je sais pas. Ah, moi j'aurais dit moi. Bah oui, non mais tu rigoles. Ouais, mais aujourd'hui c'est vrai, ça a changé, c'est devenu toi la plus méchante. Bah moi je trouvais que avant tu vois, parce que t'avais un caractère plus, tu vois. Maintenant tu t'en bats les couilles. Moi? Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, j'ai grave changé. Ah mais attendez, est-ce que j'écris bien de la main gauche? Mais écrivez bien genre. Ouais, mais moi j'écris trop bien, regarde. Oh bon bah toi t'as écrit toi-même. Bah pour moi je trouve que c'est moi la plus méchante. Mais j'avoue j'ai changé genre. Bah peut-être ça dépend alors des moods, je sais pas. Ouais, putain, c'est horrible. Surtout Amélie et moi, oh là là. Ah ouais? En plus, à chaque fois, les vénères par la règle. Ah ouais, je vois. Et après, on est irritable. Oh là là. Mais faut pas nous saouler. Toi, tu l'es pas, j'ai remarqué. Non. Tu vois, c'est quand t'es occupé, quand t'es sur ton téléphone. Ah ouais. Tu calas pas en fait, c'est pas t'es méchante, juste tu calas pas. Ouais. Quand je fais autre chose, genre, j'aime pas être dérangée. Qui est la plus sociable? Ah, au moins, ça marche presque plus. Mal en fait. Mais il marche vraiment pas le stylo. Enfin, moi je l'ai acheté 1,30€. Ouais, bah je te l'avais dit hein, qu'il allait marcher 10 fois. 1,30€, un seul? Non. Attends, tu veux que j'aille voir si j'ai pas des trucs? Non, mais c'est parce qu'il est fin en fait. Bah ouais, essaye d'aller voir. Après, le plus sociable. Ouais, mais c'est pas grave hein. C'était il y a tellement. Franchement, Bic, allez vous faire. Parce que vous m'avez saoulé, j'ai payé 6€ les stylos. Vous êtes allez voir mon blog. C'est parce que c'est trop fin. 3, 2, 1. Chacun écrit soi-même. Non, moi je suis grave sociable. Mais je suis hyper sociable. Non, en vrai, je pense qu'on est toutes les trois sociables, ça veut dire. Non, ok, moi je suis la moins sociable, mais je suis quand même sociable. Enfin, par rapport à mes potes, je suis sociable. Par rapport à vous, ouais, pareil. Moi, par rapport à mes potes, je suis archi sociable, genre. Oui, par rapport à nos potes, ouais.
Mais en fait, c'est pas grave. En fait, non, on est sociable quand on veut. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qu'on a la flemme. Ouais, de ouf. Genre, par exemple, moi, en cours, je vais en cours, je suis capuchée, j'ai pas envie qu'on me parle, genre. Mais par contre, quand je suis en mode, ouais, là, je suis dans le mood d'être sociable, genre, je peux parler à tout le monde, genre, je m'en fous, tu vois. Ah oui, question. Qui est la plus travailleuse? Putain, il me marche vraiment pas le stylo, hein. Il m'énerve, Bic, hein. En fait, de la merde. Peut-être c'est l'ardoise qui est nulle en fait. Non, l'ardoise elle écrit bien. Non, elle est bien, mais moi l'ardoise trop. Putain, mais moi j'achète 3 stylos. Trop là, mal. De 1. Moi aussi je voulais mettre 3. J'ai mis. Non, mais travailleuse, moins la flemme. Ah, t'as mis moi. Non, t'as moins la flemme. Ouais, je dirais que Astrid, genre elle est plus. Non, mais moi des fois aussi, hein, j'ai pas la flemme. Hein. Enfin, des fois moi je travaille plus que vous aussi. Hein. Peut-être que moi parce que je suis plus vieille aussi, tu sais. Genre je sais faire. Peut-être parce que t'as plus travaillé dans ta life. Il marche plus. T'es stressée? Vraiment? Bic de merde! Achetez jamais le stylo Bic! Qui est la plus stressée, angoissée? Oh. Je sais, ouais, je sais que tu sais qui c'est. 3, 2, 1. Astrid, t'as mis quoi? Et toi? Ah, moi? C'est vrai que je suis un peu stressée quand même. Toi, le coup. Mais de nature, je suis pas stressée, tu vois. Mais genre, dès qu'il y a un truc à faire, genre, je vais faire là. Moi, je trouve que c'est Astrid. Mais pourquoi toi? Pourquoi elle? Ah, moi, je me trouve stressée de la live. Ah ouais? Genre, je sais que je suis stressée, mais genre. Ouais, genre, je sais pas. Par rapport à la normale, on est pas stressée. Au point que tu me dises qu'elle, elle soit moins stressée que moi. Bah, Mandy, c'est par exemple, je sais pas, dans un truc, on va faire. Attends, mais. Enfin. Y'a quoi là? Ah non, moi je trouve qu'elle s'emballe plus les couilles. Ah bon? Bah, ouais, genre, on va faire un truc, elle va tellement rien capter que. Bah, hein. Ah oui, ouais, je vois. C'est trop bizarre, je sais. Enfin, je sais pas. Je sais pas, hein. Ouais, on a une vision différente du coup. Débat. Donc, qui est la plus égoïste? Non. Moi j'ai mis Amélie. Non, franchement, j'avoue, Amélie ça dépend. Tu vas me forcer à te donner quelque chose, je vais pas te le donner. Parce qu'elle est trop riche, c'est ça. Ouais, Amandine, elle a toujours été généreuse, je trouve. Enfin, genre, même quand elle avait pas d'argent, genre elle te donne même si elle a pas, tu vois. Je suis trop mignonne. C'est une qualité, mais comme je t'avais dit, c'est aussi un défaut parce que tu peux être trop généreux avec des gens qui ne le méritent pas. Qui est la plus bordélique? En tout cas, moi c'est pas moi. Ah merde, désolée. C'est bon? 1, 2, 1. Je suis pas bordélique, moi je suis grave. Tu te fous de ma gueule? Non, mais non, mais là c'est parce que tu te fous de ma gueule? Non, mais là c'est parce que j'ai tué de ma gueule. Non, j'avoue que la chambre. La plus bordélique c'est toi. C'est un autre, t'as vu sa chambre? Ouais, c'est vrai que toi. Non, mais moi quand je range, c'est. Oui, mais t'as vu moi quand je range aussi, c'est. Maintenant c'est. Ouais, c'est devenu toi la plus bordélique. Non, non, je suis sûre, quand on rentre dans sa chambre, c'est Bagdad. Non, mais je reçois des amis tout le temps aussi. Mais Amandine, ouais, quand tu rentres dans sa chambre, souvent c'est la prison, y a rien. Donc mais même moi, en fait, quand je reçois des amis tout le temps, genre je fais en sorte de les donner de trucs. Oui. Directement. Alors qu'elle, elle stocke. Elle stocke tout. Non, tout ce qu'elle veut, elle stocke. Elle met dans leur placard et même s'il y a plus de place, elle s'enfonce jusqu'à leur placard. Tout ça, c'est Amélie. Avoue, moi, j'ai vidé voilà les trucs et tout. Maintenant, j'ai plus genre. Non, mais mes placards, elle en a deux pour moi. Non, mais mes placards, ils sont fluides maintenant. Amélie, tu pousses un truc, il y a un autre truc qui tombe par terre. J'ai pas de place dans ma chambre. Mais la dernière fois t'as vu tout ce que j'ai donné. Et pourquoi ça revient à chaque fois? Je comprends pas. Parce que tu le fais pas régulièrement. Amélie, Amandine, elle le fait tous les jours. Moi je le fais tous les mois. Tu le fais tous les jours? Toi tu le fais tous les ans. Tous les 3 ans. Donc, qui est la plus dépensière? Ça change. Ça a quand même changé. Moi j'ai jamais été la plus dépensière. C'est vrai, on a changé. Je suis trop économe. Ouais, on écrit. On peut faire par période. On a rien le droit de dire quand je pose la question, ok? Vas-y. Non, mais si tu comptes aujourd'hui, on compte aujourd'hui, pas avant. Aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui. Prête ton stylo. T'as vu ma réponse? Non, j'ai pas vu. Pourquoi tu regardes l'ardoise de prix? Je te jure, j'ai pas regardé. Oh, ah non, ça dépend. Non, je peux pas mettre ça. Tu peux pas? Vas-y, c'est pas. 1, 2, 3. Non, aujourd'hui, hein. Quoi? Moi je suis dépensée. Attends, je suis pas. Attends. Mais ouais. Ah, j'avoue, je suis grave. Mais toi, mais elle a plus d'argent sur son compte. Elle a. Non mais moi je trouvais que maintenant c'est Amélie parce que toi tu t'achètes plus de trucs maintenant. Non non attends, mais avant c'était Amélie. Attends, je parle juste avant j'avoue l'année dernière et tout, avant c'était ouais moi. Elle c'était abusé de ouais c'était abusé, genre je voyais un truc, un sac de luxe et tout, je l'achetais, genre je m'en battais les couilles. Mais non, mais moi c'est que par période, genre pour le bac je me suis acheté deux sacs, pour le truc je me suis acheté un sac ou avant c'est que depuis cette année. Avant c'était nous, maintenant c'est toi. Avant c'était grave moi. Ouais.
Maintenant c'est toi. Non mais vous, ouais, quand vous sortez en soirée et tout, vous jetez la Non, avant oui. Oui, avant. Plus mais moi je pensais que jamais vous allez mettre moi. J'avoue, l'année dernière c'est l'année où j'ai le plus dépensé de ma vie. Qui est la plus fêtarde? Ah putain, mais j'avoue, j'oublie tout le temps. J'ai cru trop mal. Je regarde pas vos réponses. Tiens. Maintenant, hein. Oui, maintenant. Parce que j'ai une vision différente. 3, 2. Moi. Ah ouais, si j'aime bien. Mais avant c'était Astrid. Ouais, avant c'était grave moi. Mais maintenant en fait quand je vais en soirée, genre tu sais, je suis comme ça, genre c'est en mode normal, tu vois. Amandine ouais. Grave hein. Genre ouais, toi quand tu fais des soirées, tu vas à fond. La tête de ouf. Ça rentre des bails de 48 heures après. On se demande où elle est quoi. Non mais c'est bon là, je me suis calmée, vous trouvez pas? T'es sortie un lundi soir quoi. Ouais mais cette semaine ça va, ouais ça va. Ouais mais ouais, c'était non, pour non franchement l'année dernière on avait une période où on sortait tous les soirs. Vraiment ouais. Genre oh, c'était pas possible. Ma période n'est pas encore passée. Bah elle venait en soirée avec nous des fois. Bah ouais, demain soir soirée. Wow. Ouais, demain soir soirée toutes les trois. Ouais, trop bien. Pour ses 500 000 abonnés. Ouais. Qui est la plus organisée? Ça marche pas. Hein. Trois, deux. Amélie. Ah, ouais, Amélie, ouais. Je me suis dit, toi t'as l'audace de mettre ton vrai nom. La moins organisée c'est toi. Ouais, j'ai la flemme, j'aime pas. Ah bon, t'es pas organisée toi? Je suis organisée quand j'ai des trucs à faire et quand j'ai des goals. Mais sinon en temps normal genre j'ai la flemme. Ouais ouais c'est vrai. J'ai pas que ça à faire en fait. Toi t'es genre en business motivation genre. Ouais mais en mode à l'arrache. Je suis business à l'arrache. Oui ouais c'est business. Parce qu'on peut pas en fait. C'est business au feeling. En fait je devrais être plus organisée parce que c'est vraiment bien. Genre dans ta tête tu te sens bien. C'est tout clair genre. Ouais. Ouais comme ça après t'as pas besoin de stresser. Ouais. Bon, par contre là je suis organisée parce que genre je vais bientôt partir en voyage là, un gros voyage. Et du coup je dois faire plein de trucs petit à petit et là je suis vraiment organisée, genre j'écris et tout, mais sinon on va les couilles. La plus sensible. À fleur de peau. Moi y a pas de réponse hein, je saurais pas qui dire. Ah ouais non. Moi j'aurais dit moi. Ah ouais. Tu sais, genre je pleurais pour rien avant. Tu te rappelles, aujourd'hui j'ai changé donc ça compte plus. Moi je suis sensible que quand j'ai bientôt mes règles. Ah oui, toi t'es triste par contre quand t'as tes règles. Ah bon? Enfin non, mais c'est toi qui m'as dit. Qui est la plus naïve? Tiens. Ah merde. 3, 2, moi. Ah merde. Toi t'es naïve toi? Amandine elle est trop naïve. Moi, Amandine elle est trop naïve. Ouais c'est vrai, je suis naïve. En fait elle est trop gentille, elle est trop naïve, genre elle va tomber dans le panneau genre. Ouais. Non, toi t'étais comme c'était ça quand, avant, mais ouais, c'était quand t'étais petite. Maintenant t'es plus méfiante, j'avoue. Maintenant je me méfie trop, maintenant tu me parles, j'étais qui bon. Ah non, j'avoue. Enfin, c'est pas que t'es naïve, c'est que t'es inconsciente. Donc qui est la plus susceptible? Voilà, c'est ça, sensible, susceptible. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil? Non, pas du tout. Il où le susceptible, c'est genre tu te fâches pour R. On va dire un truc, tu vas être moqué. La plus susceptible alors. Wesh, le bail il s'efface. Eh, mon stylo il marche plus. Putain, ça fout la haine. Fout la haine ton stylo? Ouais, de ouf. La plus susceptible. 2, 1. Moi. Ouais. Moi. Ouais mais maintenant c'est vous. Ouais. Tellement pas. Oh non, moi non plus. Si vous êtes Astrid des fois aussi hein. Ah bon? Ouais, genre on va dire un petit truc, tu vas mal. Ah j'avoue, je pense que toi t'es la moins susceptible. C'est vrai Astrid, des fois t'es susceptible. Bah, genre moi, je donne un exemple. Genre je sais pas, on va dire. Non mais si c'est ça, tu vas répondre genre sur le coup, genre non et. Ouais. Non, qui est la plus hautaine? Faut recommencer le travail. Ah la plus hautaine, moi je sais. Je sais. Merde, ce stylo. 3, 2, 1. C'est vrai. Non mais les gens ils disent, ils me jugent sans connaître. You judge me without connaître me. Parce que je jure les gens ils me disent tout le temps. J'avoue quand je suis dans la rue et tout, genre j'ai un regard fermé et tout, quand j'ai pas envie qu'on me parle et tout, genre je suis grave en mode je passe à côté des gens, genre je calapate, tu vois. Les gens ils disent ouais non mais elle est trop hautaine. Et les gens à chaque fois quand ils me connaissent après ils disent non mais en fait t'es pas juste, t'es pas c'est gentil. Amandine, ah, comment t'es fait? Qui est la moins taboue? Oh, je sais. Attends, j'écris trop mal. Tiens. Oh, mais putain, non, mais c'est Amandine, hein. Je te jure, des fois, mais je peux pas vous dire, mais des fois, c'est des trucs trop bizarres. Tu veux un exemple? Quoi? Vas-y, dis. Non mais dis devant la caméra. Mais non, que tu veux dire. Ah non mais là je peux pas dire. Ah, mais c'était tellement drôle. Non, c'est ça, je l'ai fait toi. Oui bon, ok, c'est oui, toi. Non, non mais ouais, franchement c'est toi. C'est pas toi là. Non mais il y a plein de trucs différents. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Je l'avais jamais faite.
celle-là. Ah, je te jure, mais moi je pensais que c'était passé. Ah non, même pas. Mais tu te rapproches un peu là. Oui, oui, oui. Alors, la plus indécise. Indécise. Je sais pas. T'as mis quelqu'un toi? Ouais. Toi aussi? Ouais. C'est que 3. Ah merde, pardon. 1. J'ai pas moi. Ah bah ouais, bah moi non plus, je sais pas. Ouais, moi je me trouve indécise moi. Non mais. Ouais, toi c'est vrai, t'es indécise. Bah non, si je dois faire des choix, je fais des choix. Hein. Je te jure. Mais c'est sûr quoi, sur des photos Instagram? Non mais indécise, genre. Non mais même pas en fait, j'avais même pas. J'ai mis ça parce que genre, je sais pas quand je vais dire ouais, Yvette, tu vas dire ah oui, et oui, ça. Ah ouais, bah oui, ça alors. Mais ouais, les trucs d'événements, de... Ah ouais, ouais ok, ouais, genre, oh, ça Qui mange le plus? C'est ce qu'on va voir après. Non, je rigole. Ah ouais, on va faire une vidéo sur la chaîne d'Amélie après. Oui, j'ai fait trop mal. Ah bon, tiens. 3. Attends, dans le caractère. Enfin, dans le... Hein dans... Qui mange le plus dans le caractère? Oui, enfin, genre, non, dans le sens où... où qui pourrait manger le plus? Ah, qui pourrait manger dans le plus, ouais, c'est bon. Oui, qui a le plus gros estomac, quoi. Ouais, ouais. Pardon. Astrid. Ouais, ouais, moi. Astrid. Mais moi je peux manger beaucoup, mais genre je peux jeûner pendant 6 jours, tu vois. Ouais, ouais, ça je peux pas. Ça, ça, là vraiment ça dépend. Un estomac sur pâte là-bas. Ouais, ouais. Toi tu manges autant que moi quand même. Aussi, ouais, ouais, fois. Ouais, je suis d'accord. Amandine elle mange le moins. Ouais. Ah, mais toi quand t'as faim aussi, elle se fait des pâtes comme ça, elle prend la casserole là, elle met du fromage. Elle met les sauces. Elle fait là, je m'en bats les couilles. Shooting demain, je m'en bats les couilles. Je suis celle qui mange le moins, mais le plus mal, genre. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tout le temps McDo. Ouais. Qui est la plus casanière? Casanière? Casanière, c'est. Oui, c'est quelqu'un qui reste souvent à la maison. Ouais. 3, 2. Amélie? Mais t'es malade, elle sort tout le temps, elle est tous les jours dehors. Casanière, c'est genre en mode, tu sais, tu vas pas trop aux IVM, donc tu restes à la maison, tu restes en couple ou quoi, tu vois. Non, je pourrais rester à la maison. C'est vrai, Astrid. Ouais. C'est vrai. J'avoue, moi je suis tout le temps dehors. Ouais, elle est tout le temps dehors, c'est impossible que ce soit elle. J'avoue. Tu sors un Isabelle, toi. Trop de trucs à faire. Ouais, moi j'ai la flemme, genre je dis non, non. Ouais, mais moi, après c'est moi, je pense, la plus casanière. Mais j'arrive quand même à être casanière parce qu'en ce moment j'aime bien rester à la maison. Ouais, tu vois, c'est des barres. La plus peureuse. La plus peureuse. 3, 2. Amel. Amande. Toi, t'as qui? Ah ouais, Amande, la plus peureuse. Moi, non, ça dépend. Ouais, j'avoue, c'est Amélie, je suis d'accord. Pourquoi? Je me fais influencer par le truc. Non, mais viens avec moi. Ouais, mais non, mais toi, je crois comme ça. Quand je, peux me reposer sur quelqu'un, je me repose tout. Mais Amandine, genre en mode. Genre, une araignée, elle va faire trembler la maison, genre. Ouais, ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ouais. C'est une araignée, c'est une phobie, c'est genre. Ouais, mais elle peut la tuer quand même. Toi, t'aurais pas le courage de la tuer. Non mais moi le caissier je peux aller le voir aussi hein. Bon, la dernière fois elle a tapé une phase, elle a cru qu'il y avait quelqu'un devant la maison, elle m'a appelé à 4h. Non mais sur la tête de Wam, elle a fait, y a quelqu'un qui est à la maison, nous cambrioler. J'ai fait bon. Tu prends l'épée à la maison, je rigole. Ouais non je sais pas, ça dépend. Mais peureuse, non je suis pas peureuse hein. La plus exigeante. Ouais toi t'es pas peureuse, toi t'es trop forte, toi c'est ça, tu t'es immunisée quand t'étais jeune là. Ça... Par contre t'es... Elle a bu trop de lait. Quand j'étais petite, t'avais trop peur. La plus exigeante, moi je sais. Exigeante. Exigeante dans la vie de tous les jours, moi. Attends, laisse-moi. Ah ouais, non, c'est vrai que ça dépend. Personnel et business, tu vois, c'est pas la même chose. Bah, personnel, amour et business. Généralement, la plus exigeante. Ouais. Ah non, mais moi je. Non, bah, moi je sais. C'est vous plus exigeante. 3, 2. Astrid. La plus exigeante. Moi, t'es malade. Elle, quand elle veut pas quelque chose, elle veut pas quelque chose, tu vois, il lui faut son truc. Alors que nous, on. Pas on s'adapte, mais genre on va dire bon bah oui, tu vois. Ah, Amélie, quand elle veut pas quelque chose, genre. Quand elle commence à se faire hagard, tu vois. Alors que nous, on va faire bon bah d'accord, tu sais, on s'arrange pour la personne alors qu'on veut pas au final, tu vois. J'ai peur de déranger la personne alors que. Ouais, alors qu'on devrait. Mais au niveau personnel, en business par contre, quand tu. Moi les deux, moi. Ouais. Moi en amour, moi je suis grave exigeante. Ouais, exigeante en amour, vous, de ouf, j'avoue. Ouais, toi un peu moins. Enfin, t'aimes bien les gens, toi. Ouais, nous on les aime pas. Qui est la plus patiente? Faites gaffe à ce que vous allez mettre. 3, 2, 1. Pas Amélie. Pas Amélie. Je suis pas patiente. Toi, tu es patiente, toi? Je suis hyper patiente. Toi, t'es patiente. Je suis une meuf hyper patiente. Toi, t'es patiente, toi? Je suis hyper patiente.
suis patiente, wesh. Non, je suis pas patiente. Quand je dois faire une vidéo, hier on devait tourner cette vidéo et on va la tourner aujourd'hui. C'est qui la plus patiente? C'est moi. Ouais, mais c'est toi qui as dit que tu voulais la faire aujourd'hui. Ouais, parce que je savais que hier vous étiez pas contente. Non, je voulais la faire hier. Amélie, elle n'arrivait pas à faire sa paperasse. Elle était énervée, du coup, moi j'ai fait bon, bah on va la faire demain parce que sinon on va se. Non, mais j'aurais pu la faire hier en plus. Ah, moi aussi. Parce qu'au final, j'ai tout fait donc. Donc moi je suis patiente et sans le dire aux gens. Non, moi aussi je suis patiente hein. Pas Amel, tu vois. Oula. La plus jalouse. Moi je crois que la plus jalouse. Ouais. Oh. En amour du coup. Mais moi j'ai pas connu l'amour, arrête. Si non, si vas-y. Dans tout genre. OK, dans tout. Parce que même toi, genre t'as eu des crushs, tu vois. La plus jalouse. La plus jalouse. Ouais. OK. Ouais, mais toi t'es pas ça jalouse, veut dire quoi, jalouse. Enfin si, je sais ce que ça veut dire, mais tu vois, genre jaloux, genre jusqu'à que ça t'emporte vraiment, genre tu peux pas te contrôler, alors que tu vois des fois il y a des jaloux, genre t'es jalouse mais tu t'en bats les couilles. Oui, jaloux. Et vous jalouse, êtes jalouse et vous vous en battez les couilles, tu vois. T'es malade ou quoi? Ah ouais. Moi je suis jalouse, je casse les couilles. Bon bah même alors. T'as mis quoi toi? Moi j'ai mis moi aussi. Ben mais en fait vous pouvez ne enfin j'avoue toi t'es pas jalouse toi tu t'en fous toi. Moi je m'en bats les couilles. Mais c'est parce que t'es pas avec des gens qui oui voilà aussi. Oui ouais, avec des gens qui cassent les couilles. Toi je suis vraiment pas avec des gens qui cassent les couilles. On est qu'avec des gens qui cassent les couilles. Ouais, Amélie viens on les vire. J'ai un entourage qui me et je serais à bout là, je serais hystérique. Non mais moi ouais j'ai déjà été. Non mais ils ont des gens chiants en fait, genre je comprends pas. On se raconte des petits potins entre ça. Ouais, en fait, vous avez des gens qui n'ont aucun principe. Non, pas tous, hein, je dis pas, oui, à tout le monde, mais genre vous avez quelques petites pièces là. C'est qui sont les vrais, quoi. Ouais, voilà. La plus drôle. Oh, trop facile, wesh. Elle commence pas, hein. La plus drôle. Oh, ça dépend. Ouais, ça dépend. On peut mettre de blaze. Ouais. Oh putain, il marche plus le stylo. Elle est fort. La plus drôle. Non, je sais. 3, 2. Attends. Non, drôle, c'est fou. 3, 2, 1. C'est moi. Ah, genre moi je suis pas drôle. Moi je suis pas drôle. Hein, c'est qui fait rire les abonnés, c'est moi. Non, si, c'est quand même de toi. T'es de moi, elle rigole, wesh. Ouais, j'avoue, toi t'es drôle. Non, toi t'es drôle, t'es conne. Elle est drôle, mais elle est bizarre, genre. Non, Amandine, des fois elle rigole, mais elle rigole à sa propre blague. Du coup, tu la regardes, tu crois qu'elle est drôle, mais parce qu'en fait elle rigole de elle-même. J'avoue, en fait, tu l'as seule à se trouver drôle, non? Ah ouais, moi je suis super drôle, franchement, je suis super drôle. Genre, je me fais rire tout ça. T'as mis quoi toi? Moi la plus drôle. Ah putain, j'ai cru que t'avais mis nous trois, un truc comme ça. Vas-y, moi j'ai une question. Qui est la plus narcissique? Donne-moi le feutre. La plus narcissique? Moi je sais. Moi aussi je sais. Avant je savais, mais maintenant je sais encore plus. Depuis un an, hein, là je comprends pas, tous les jours c'est je ne sais pas. 3, 2, logique, c'est moi la plus narcissique. Oh, non, mais elle, non, mais c'était, je fais ça pour rigoler. Je suis tellement belle. Meuf aussi belle que moi. Mais dis ça pour rigoler. Mais je suis trop belle. Non, mais vous avez déjà vu une soeur aussi belle? On a des fois après, genre. Ah putain, elle est tellement belle. Des fois, mais qui tu parles? Bah, moi. La vie c'est trop. J'étais dans la salle de bois, elle fait putain, je suis trop belle. Non mais elle fait ça aussi, c'est drôle parce qu'elle fait ça pour rire, parce que sinon oui, quand elle arrive pas à faire ses baby hair là, elle commence à s'énerver. Putain, je suis trop moche là. En fait, je suis grave. Ouais, elle se trouve moche, elle se trouve super moche. Hein. Ouais. De... Mais quand elle s'aime, je crois c'est Miss Monde. Mais en fait, je suis grave lunatique, c'est pour ça. Bon bah qui est la plus lunatique? La plus lunatique. Vas-y, donne-moi le feutre. Lunatique. Qui change de comportement? Ouais. Ah ouais, non mais oui, non mais oui, non mais là, script, si t'as hésité là, t'étais. Ah bon? Bah oui. Je sais pas. Tu veux dire moi? Non. Moi. Amandine. Amandine. Amandine, pas les Amandine, bien sûr, Amandine, elle peut rigoler. La seconde après, elle peut t'enculer des races, genre. Je crois que t'es la seule personne qui me trouve pas lunatique. Hein. Ouais, parce que t'es tout le temps gentil avec moi. Non, je sais. Non, je sais pas. J'aurais pas pensé, moi. Non, moi, pas nous trois, quoi. Ouais, mais toi, c'est peut-être parce que c'est terrible, alors. C'est normal, je sais pas. Ah, c'est vrai qu'elle se parle tout le temps. Ah ouais, je comprends mieux. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est toujours gentille avec moi. La plus influençable. Mais ça va de pair avec naïve. Oui, ça va de pair avec naïve. C'est vrai, ça va.
Mais ouais, j'allais mettre Amandine de toute façon. Oui, Amandine. Ouais, c'est bon. Bon, je suis influençable, Amandine. Heureusement qu'on commence toutes les trois par un A, comme ça j'ai pas besoin d'effacer. T'as gagné, je te. Ah, c'est quoi, t'es cri que là? Non, mais c'est parce que j'avais commencé avec un. La plus chelou. Ça se tape. Mais chelou dans quel sens? Ouais, on est pas chelou, nous. Ouais, on est pas chelou. On est pas chelou, hein. C'est vous les chelous, là. La plus folle. Oh putain, nous on a des crises d'hystérie, hein. Ouais, à 3 en fait, c'est. La plus folle, bah. 3, 2, 1. Bah ouais, nous trois. Non, mais si on tape des faces des fois, n'importe quoi. Je crois qu'on est jumelles, meuf. Ouais. Mais si t'avais une à choisir. C'est Amandine la plus folle. Ouais, si, quand même, je crie partout. Ouais, c'est vrai. C'est folle, c'est un singe. Ouais, j'avoue, folle dingue. Ouais, plus singe que folle. Ok. Eh, on refera cette vidéo dans 10 ans avec les mêmes questions. C'est sûr qu'on va changer, wesh. La plus pessimiste. Qui pense trop dans le négatif. Non, tape là, les pessimistes. Je change. Non, mais tac là en mode on n'est pas pessimiste, je trouve. Moi non, je trouve pas non plus. Ouais, non, on n'est pas pessimiste. Moi non plus. J'aime pas les gens pessimistes, alors vous serez pas de ma famille de toute façon. Ouais. J'en ai connu des pessimistes, c'est horrible. Vraiment, faut supprimer les gens pessimistes. Pessimiste. Bon, la plus têtue. En fait, j'aurais mis Amandine, mais si ça va avec Aiguisant, j'aurais mis moi. Oui, je vois ce que tu veux dire, moi aussi. Ouais, pareil. Moi aussi pareil. Putain, mais on est trop sœurs en fait. Yes, la plus gentille. Moi. Je sais. Moi. Je sais, elle vous regardait pas. Elle est trop heureuse. Ouais. 3, 2, 1. Ah, Astrid, vous avez mis quoi? Ah, elle a eu un cœur, la gueule. Hey, je suis la plus gentille, je suis la plus drôle. C'est vrai qu'elle est gentille, Astrid. Elle est gentille. Oh, vous me tuez, putain, ça me fait plaisir. Ah, la plus proche des parents. Des parents. Moi je sais direct de. Moi aussi je sais. Bah en fait ça a changé, hein. Je trouve. Ah mon dieu, t'as toujours pas donné ce cadeau? Non, ouais. Pas encore. Je l'ai pas vu encore. Ça a changé. Attends, redonne tes questions. 3, 2, 1. Moi. Moi je trouve que avant j'étais plus proche, mais Ah bon? Un peu moins maintenant. Et toi tu manges tout le temps avec eux maintenant. Avant c'était Amélie. Ouais, avant c'était toi. Avant c'était toi, après c'était moi de ouf et maintenant c'est toi. Mais rester toujours proche de ses parents, mais c'est important. La plus maniaque. Maniaque. 3, 2, 1. T'as mis qui? Maniaque. Ah ouais. Moi j'ai mis moi. Maniaque en mode de, putain, genre j'ai tout le temps besoin d'avoir le visage propre quand je dors ou quand on est très petite. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais maniaque dans la chambre, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est être coquette. Non, je veux dire. Bah, être coquette, se laver le visage, non? Bah, si, c'est être coquette. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire, Amel. Je vois tout à fait. Genre, elle, dès que tu bouges son tiroir là, elle va te. Trop! Oh my god, c'est trop ça! Ouais. Non, mais dès qu'il y a quelqu'un qui a déplacé quelque chose dans sa chambre, genre, elle le voit. Il y a un radar là. C'est vrai, ça en plus. Il y a un cheveu en plus par terre, elle a un radar. Mais t'as un détecteur ADN en plus. Moi, tu mets les pieds dans ma chambre. La plus en retard, on est aucune de nous trois en retard. Hein. On est trop ponctuels. Ah ouais? Moi, je crois que des fois, je suis en retard. Ouais, pour aller à l'école, je suis souvent en retard. Non, pour les trucs pro, on est bien, mais genre ouais, comme pour normaux, pour les miens, non mais pour les genre les trucs là, aller en soirée et tout. Donc voilà, enfin on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on a répondu quand même pas mal. Genre je pense que là la vidéo elle fait 40 minutes. Enfin je vais la rétrécir du coup, mais voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, à commenter et à partager aussi s'il vous plaît. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.